Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs. On se retrouve avec Katox. Salut Katox! Salut. Et on était donc en train de fabriquer notre fusée tranquillement et ça, ça dépotait, hein, faut dire ce qui est là. D'ailleurs, ça dépote tellement que je pense que je vais faire deux tuyaux pour que ça décharge un peu plus vite. Parce que visiblement, il galère un peu. Ici, on a des radars. Qui a fabriqué des calculateurs plus et moins d'avance. Oui. Logique. C'était mon fameux final beat. Ouais, mais je pensais pas que t'avais été jusqu'à faire des trucs d'avance, tu vois. Si. Bon, Toujours être en je ne prévision. vois pas pourquoi je me gênerais. Il faut toujours avoir de la prévision. C'est vrai. C'est la clé. D'ailleurs, c'était dans le coin des trucs de construction des roboports, je veux bien que t'en refasses quelques-uns. Ouais, c'est quelque chose qui doit être envisageable. On a une dèche de cuivre, mais ça, c'est pas forcément une grande surprise. Alors, des roboports, où est-ce qu'ils sont là-dedans? Non. Non, ils sont pas là, ils sont là. C'est parti, ça démarre. Non, oui. On n'est pas obligé d'en faire 30 000, hein. Stopper au bout d'un temps. C'est le temps de faire l'aller-retour. J'aurai le temps de mourir 14 fois. Bah écoute, tu en as déjà deux, je t'en fais une dizaine. Ouais, ce sera bien. Faut pas abuser des bonnes choses. Tu peux déjà les commander si tu veux là. Ils sont en commande, ça. C'est vrai que tu dois avoir une espèce de petite nuée de robots. Bah pour l'instant pas encore, je vois la nuée de robots qui amène les ingrédients, mais j'en ai pas vu qui venait chercher encore. Besoin de juste ça. Ah, il y a besoin d'engrenage aussi. Ah, oui. Ah bah oui, il charge là les engrenages. Ça y est, il y a la nuée de robots qui arrive. Pouf, c'est bon, ils arrivent. Ils t'en ont pris un bon petit paquet. Je sais pas exactement combien. Quoi, des Mais roboports? je pense que ça va suffire là. Roboport, normalement, c'est un par un. Dans la méthode de le construire, à chaque fois, c'est un qui se construit, toutes les tourelles ont le temps de se construire, et puis ça construit le suivant. Comme ça, t'évites d'avoir un mur qui est construit, mais pas défendu, si c'est un assaut. Ah oui, mais tu veux te dire, moi je pensais au combien les robots emportaient en même temps en fait. Ah oui. Parce que là il y a une nuée de robots qui est arrivée, qu'on a ramassée, et il y en a toujours 9 dans le coffre. Donc je sais pas exactement combien ils en ont pris, mais je pense que tu en auras suffisamment là. Tu me diras si besoin, j'en relancerai quelques-uns. Ça devrait aller. Donc au niveau circuit vert, on est très très bien. Niveau circuit rouge, ça bosse à fond. Ça bosse pas à fond parce qu'on n'a pas assez de plastique. On a une dèche de plastique massive. Très très bien. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus assez de matières premières? Bah non, pourtant. Alors je pense qu'il faut. On en consomme un peu trop peut-être? Toi, t'arrives pas à décharger. C'est un peu con. Appareil, ça, on va changer ça. Hop, hop. On a besoin du plastique sur une seule ligne. Hein. Une seule ligne et c'est la ligne éloignée, c'est ça? Non, même pas. On a besoin de plastique sur cette ligne-là. Voilà, c'est parti. Et on va foutre un coffre. En rouge là, avec un bras. Et on va en prendre comme ça de rab par exemple. Il va tout ponctionner le temps de remplir. La question c'est est-ce que derrière
ramasse un maximum. C'est peut-être un peu tendu, hein. Hop, allez, faites-vous plaisir. Il y a des murs qui passent là. Et des tourelles. Ouais, ça construit. Parfait. Ok, c'est nickel, là c'est bon, c'est plein, donc du coup il les laisse passer. On va commencer à relancer un peu la production. Putain, il y a encore des endroits où il y a du tapis rouge, quoi, sérieux. C'est un truc de fou. Zut, sortez-moi ça. Les entités sont endommagées ici. What? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai dû cliquer trop tard et ça m'a cliqué sur ce truc là, c'est obligé. Ou c'est normal, le robot il corrige très très vite. Hein. Ouais, mais c'était rouge donc j'ai eu peur que ça soit détruit quoi. En fait, ça va. On voit qu'ils galèrent avec leur truc de réparation là. Ils sont tout vides d'énergie, les pauvres robots. Ils vont tout lentement. Allez, courage, vous serez bientôt arrivé au robot port. Là. Robot port qui s'appelle Pour Programming d'ailleurs. Je pense que le nom est tout à fait bien choisi. Il est parfait. Petit assaut ici, hein. Les assauts sont incessants maintenant, mais on avance bien quand même, donc c'est pas trop un problème. Ici, on commence même à avoir du rab. Tiens, bah d'ailleurs, on n'avait pas des vertes des machines là. Je vais m'en servir pour autre chose. Non, pas par là que je voulais aller, pardon. C'était la fusée que je voulais aller voir. Où est-ce qu'elle en est la fusée? Bah il manque deux trucs. D'accord, bah je vais remettre celui que j'avais enlevé. Alors, service de livraison délivré aux joueurs 10K éléments via des robots logistiques. Oh. On a une dash de module d'accélération. Très bien. Bon à savoir. Allons voir un peu pourquoi. À cause du rouge. Ouais, toujours le plastique qui a encore un petit peu de mal. Alors déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est foutre ce bras rouge plus bas. Voilà, hop, comme ça au moins il fonctionnerait un peu plus ce qu'il a besoin. Là, c'est pareil, des trucs de vitesse seraient plus adéquats, je pense. Au moins un peu. Et du coup, on peut pas faire ça, hein. D'accord. Bon, on s'occupe plus du tout des techs, hein, et clairement ça se voit, hein, ça se traîne assez lamentablement. C'est plus réellement notre priorité. Ouais, même plus prioritaire de faire la fusée et de récupérer tous les composants bleus qu'on peut. D'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'on peut pas concentrer un peu nos rouges sur autre chose hein? Rouges, ils partent là, ensuite ils partent ici. Oh bah, il y a une bonne quantité de rouge là. Il y a besoin d'autant de rouge? Vous avez besoin de rouge, vous? Ah, vous avez besoin de rouge, vous. On va mettre une priorité par là.
Là, on est d'accord qu'on limite, hein. Ouais, on va même limiter à moins parce que. On a besoin d'un rouge ici, là. On a besoin de faire du bleu. Et pour faire du bleu, on a besoin de rouge un peu plus en masse. Les fours électriques, autant dire qu'on s'en tamponne un poquito. N'est-ce pas? On n'avait pas l'air de s'en soucier beaucoup, en tout cas. Ah, ici, c'est la dèche. On en fout quelques-unes. Quoique, j'en commande dans mon truc de logistique. Non, j'en commande pas. Si c'est pareil, ça sert à rien de mettre des modules de vitesse, alors que de toute façon, les trucs. Bah, mettre des bombes à sphère. Enfin, ils peuvent pas se faire parce qu'il n'y a pas les matières premières. Plutôt, on va dire ça comme ça. Bon, là ça va se dépiler tranquillement, mais même si ça s'arrête, on survivra. On est d'accord. Bon, lui il arrive à en choper des fois et des fois non. On va le changer de place. Plutôt le mettre là. Du coup il va ponctionner d'autant plus de rouge hein, mais à faire. Tant qu'à arrêter les sciences, on va vraiment accélérer la production de bleu massivement. Tant pis pour les potions. Bon, le plastique c'est reparti. Qu'est-ce qui manque? Des câbles en cuivre, vous êtes sérieux? Ils sont où mes câbles en cuivre là? Ils arrivent par là? Ils arrivent par ici? Du coup, ils arrivent par là? C'est qu'on a plus de cuivre, c'est ça peut-être? On a une dèche de cuivre. Ah oui, on a carrément une dèche de cuivre. Ouais. Oh la vache, on a une méga dèche de cuivre. T'es sûr que le train n'est pas bloqué quelque part? Le train est en train de décharger pour l'instant. Ah, donc Donc c'est peut-être en route. là, la dèche doit être juste en train de se résorber. Alors pareil, hein, on m'a donné des schémas très intéressants pour optimiser le déchargement des trains dans les Ouais, faudrait qu'on commentaires. passe sur deux allez. Deux tapis pour décharger le train, je pense. Bah même pas en déchargeant les trains sur des répartiteurs pour qu'ils envoient directement, tu vois, la pince dépose dans le répartiteur pour que ça envoie de manière plus optimale et tout. Mais on n'aura malheureusement pas le temps de le tester, je pense, dans cette série. En même temps, pour deux qui découvrent le jeu, on s'en est bien sorti. Oui, voilà, on a quand même plutôt bien découvert, on a refusé, même si je sais qu'il y a certains viewers qui était un petit peu chafouin, on a refusé de faire des schémas et tout, on avait vraiment joué un maximum artisanalement, et bon bah c'est pas si mal hein. On n'est pas mort tant que ça. Non, on est clairement pas mort tant que ça, on a quand même plutôt réussi les différentes recherches, les trucs et tout, non, on s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Plutôt satisfait. Ouais, ici il en faudrait quelques-uns qui déchargent. Après, du coup, normalement, c'est censé permettre d'avoir un flux constant, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas doubler, juste histoire de faire en sorte que ce soit doublé, bon, sachant que non, là.
va peut-être retravailler un peu tout ça. Alors on va essayer de pas casser la production, donc on va commencer de la fin. Même si c'est pas forcément idéal. Ok, et ici du coup, bah, ce qu'on pourrait faire en fait c'est décharger dans des répartiteurs déjà là, hein. Ce serait vachement plus optimal. Il m'en faut des répartiteurs mais on n'en a pas et je crois qu'on peut pas en fabriquer. Non c'est ça, faut du briefiant, je suis coincé par des putains de coffres. Alors c'est ici, là on va prendre ça. Et ici, on va changer la recette vers des répartiteurs. Voilà, c'est parti. Et on va en commander une dizaine, ce sera parfait. Non, quoi que, bon, on a besoin que d'un. Non, on en a besoin de plusieurs pour les voir, en effet. Oui, de toute façon, ils se font déjà piller la tronche. 10 et 10. Voilà, donnez-moi 10. Merci. La fusée, ça donne quoi pendant ce temps-là? 69%, c'est pas mal. Est-ce qu'on a encore des robots porcs? On en a encore 3. Tu veux que je t'en lance d'autres? Ouais. Il y aura encore quelques-uns, je pense. Écoute, je te fais ça. Ok, c'est pas oufissime, mais c'est un peu plus efficace quand même. Intéressant. Du coup, eux, on pourrait même carrément les faire décharger. Merde, raté. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et toi, tu peux pas décharger là. Oui, si, voilà, comme ça. Tu décharges pas là, c'est pas assez loin. C'est pas assez loin, pardon. Excusez-moi. Donc, ici, du coup, ce qu'on va faire par contre, c'est que pour l'instant ça n'amène nulle part ça. Donc, il faut qu'on le réinjecte. On va le réinjecter par exemple là. Parce que pourquoi pas. Là ça rebalance un peu dans la purée dans le truc. Non là c'est pas ouf en fait ça. Voyons plutôt par là. On a combien? 780, 800. Ouais, on a quand même encore un peu là. Je pense qu'on va en refaire un peu comme ça, histoire de vraiment répartir. Où est le train? Est-ce qu'il est coincé? Non, il est en train de charger. Vache, ça va pas assez vite pour
Ah mais putain, mais c'est quoi ce vieux poteau à la con? Ok, on a besoin de nouveau cuivre. Bah quoi que peut-être pas, peut-être se démerder sans y aller. Si on dit déconstruisez-moi ce truc s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des robots qui sont dans le coin pour faire le faire? Et à la place, vous allez m'en poser un là. Alors, c'est quoi qui pose problème? Ah, c'est lui du coup qui se charge pas, ouais, forcément. Va falloir qu'on augmente un peu la production, on dirait. Puis qu'on améliore ça aussi. Bon, est-ce que j'ai un robot qui vient? Je peux pas vraiment savoir, c'est un peu chiant. Si, ça y est. Voilà, mon petit robot. Vaillamment, il traverse les trois quarts de la map pour aller démonter un poteau électrique à ma place. Est-ce qu'il va vraiment plus vite que moi? Je suis même pas sûr en plus. Hein. Au final. Quoi, vas-tu les plats? Que si Vas-tu les j'avais plats, été à non? pied? Bah si les plats, non, tu vas quand même vachement plus vite. Attends, s'il est plat. Ah, s'il est plein! Si, non, si les plats, c'est le plus d'énergie. Ah, s'il est à plat. Non, non, là, il était pas à plat, là. Il avait juste ce qu'il fallait pour traverser. Il y a un truc qui a pas d'énergie, là, c'est quoi? Ah, il y a un radar à côté du radar. D'accord. Bah, démontez-moi ce radar. Le radar planqué dans les arbres, quoi. Ninja. Bah, ouais, bah, il y aurait pas le petit truc qui clignote parce qu'il a pas d'énergie, je l'aurais pas vu, je pense. Tu fais des petites astuces, là. Ouais, du coup, ces poteaux-là n'ont pas ce qu'il faut. Donc, on pourrait en foutre un là et là, ça suffit. Je suis pas sûr. Hein. On va essayer. À la nique. Ouais, en fait, le problème, c'est pas vraiment que ça. C'était pas le déchargement, c'était au chargement que ça posait souci. Voilà, il est parti, c'est bon. Alors ici, est-ce que c'est dans la zone du coup? On va peut-être un peu mieux voir là. C'est pas dans la zone. C'est pas dans la zone. Comment on fait d'habitude? Ah, d'habitude, en fait, on n'a pas tout ça. Bah non, on va démonter ça, puis ça ira bien. Hop, voilà. Ça, tu me l'annules. C'est bon, on a déjà un 6 là-dedans. Ça devrait largement suffire. Est-ce qu'il est coincé du coup? Ouais, ça va. Il devrait pas rester coincé trop longtemps. Ah, et là, on a plus du tout de cuivre, forcément, puisqu'il est resté bloqué pendant des plombes. À rien foutre. La pierre, on est blindé à mort. Bon, de toute façon, on n'utilise plus la pierre, donc. Franchement, j'ai presque envie de mettre en pause le train de pierre pour l'instant, quoi. Si je m'écoutais. Parce que là, il fait que des allers-retours à plein et du coup, il bloque son pote, quoi. Qu'elle l'en pose, hein. Ouais. Je l'arrête. Donc je le passe en manuel, il est à l'arrêt sur le passage à niveau. Alors du coup ici ça s'est déchargé d'un coup. Hop, là c'est parfait, ça décharge tranquillement. On commence à vous réinjecter un peu du bousin. Maintenant regardons comment il se démerde. La pierre avance pas. C'est bon, il reste à l'arrêt. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Donc, est-ce qu'il y a suffisamment dans ces coffres pour le décharger? C'est ça la vraie question.
C'est plein déjà, là c'est plein. Ouais, ok, ça va. Il y a encore de la réserve. Et du coup, là, il va aller faire son petit déchargement. Ici, ça n'a même pas encore fini de se décharger, mais presque. Ouais, bah c'est pas si mal. Voilà, et là du coup, c'est relancé. Ouais, on a de nouveau du fil de cuivre. On a plein de rouge, c'est la fête. Sans surprise, c'est maintenant le vert qui pêche, mais c'est pas grave. Voilà, il y en a toujours un qui bug. Ouais, bah le vert a un petit peu de problème de fil de cuivre, mais bon, je pense que ça va se rééquilibrer là. Là du coup, on a un peu de manque de module de vitesse. Travaille à plein. C'est peut-être un peu juste deux pour tout ça. Et la fusée, elle en est où? Toi qui étais à côté? 82%. Oh, bah c'est pas mal. On a 40 d'avance, 40 d'avance, ouais, c'est vraiment les matériaux, les composants pour fusée qui pêchent, et ce sont les modules de vitesse dedans qui pêchent. Par contre, est-ce qu'on peut se permettre d'en refaire un autre? Je suis pas convaincu. On va regarder, est-ce que ces caisses s'arrêtent? Non, elles s'arrêtent pas, j'ai l'impression, hein. C'est qu'on en a juste pas assez. On pourra transformer ça. Allez, c'est parti. Ouais, bah ça fait une bonne production. On peut même se permettre de booster un petit peu plus par là, comme des gros sacs. Bon, ça va quand même, il bosse globalement. Lui, il est arrêté. En fait, c'est aussi que c'est assez long à faire. Hein. Ah, il y a une grosse rafale de robots qui est passée, j'ai pas vu ce qu'il portait. Sûrement des murs. C'est vrai que du coup, c'était dans le camp. Comment ça se passe la ligne? Ok, on a une petite ligne Maginot là. Oula, ils sont tous coincés ici parce qu'ils ont besoin de détruire un truc. Vous savez. Ah, et parce qu'il y a des falaises au milieu du chemin. On n'a pas Où ce ça? qu'il faut pour les détruire. Tout à l'extrémité de ton mur là. Duquel? Bah, celui que tu étais en train de fabriquer. Tout à Ah gauche. oui. Ouais, c'est vrai. Écoute, on s'en passera. Hop. Bon, c'est normalement ici, il y a tout ce qu'il faut, même le C'est radar. ju ouais, c'est juste à la limite du radar, mais vu que c'est de la flotte de l'autre côté, de toute façon, on s'en fout. Ouais, on tente un peu envie de faire. Je l'ai connu sur le coin, hop. Tranquille, Biou. Yep. Et du coup. Et tu vois que ce système-là, ce qui est bien, c'est qu'ils avancent bloc après bloc. Bah oui, c'est ce que je vois, ouais. Ils construisent un bloc et le suivant. Bah du coup, c'est pas mal qu'ils se disent pas, on va aller construire le dernier hyper loin sans énergie. Bah oui, c'est ça. Comme ça, t'as Remarque toujours un. qu'ils peuvent pas parce qu'il n'y a pas les robots ports. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme concept.
Ah, le radar n'a pas d'énergie. Ouais, ici, il y a des petites bestioles qu'on réussit à passer temporairement, mais Où c'est? ça finit par se régler. Ouais. Hop, voilà. Bah, elles sont derrière? Il y a un nid derrière? Ah non, c'est qu'à travers. Oui, non, ok, c'est pas trop grave. Ouais, faut que j'aille refaire un tour parce que souvent la nuit, c'est là que les bases se réinstallent. Ici, il n'y a pas d'énergie. On va demander un petit poteau. T'as un mob qui est produit exprès par les grandes bases et qui va aller se réimplanter à un endroit. Ouais, bah oui. Bah, c'est pour ça qu'ils avancent, hein, je sais bien. Alors là, ils ont construit la base, mais il n'y a pas encore d'énergie. Ça devrait arriver. Il faudrait que ça arrive même. Un petit catox qui arrive. Tiens, t'as la nouvelle armure, tu cours vite, je trouve. Non. J'allais demander un poteau, c'est malin, tu l'as posé avant que mes petits mecs arrivent. Comme ça ira plus vite. Est-ce que je Boum. fasse gaffe à ce qu'il y a encore suffisamment de Boum. poteaux dans les coffres? Ah, il y a un problème là. Ah là là, cette impression de superviser. C'est beau. Ouais. Ah oui, putain, là, la vache, il est proche, là, le nid. Pas grave. Moi, je fonce, moi. Je tire même plus. Rien à foutre. Ces tourelles qui font tout le taf. T'as un bouclier énergétique ou pas? Ouais. Ah oui, je l'ai vu passer vite fait. Voilà. C'est vrai que ça change du début, hein. Ouais, j'ai trois batteries MK3. J'ai Ah, un bouclier. MK3 carrément. J'ai trois batteries MK2, pas MK3. Ah oui. Ce qui est amplement suffisant et j'ai quatre tourelles laser sur le dos. C'est sûr, ça calme. Et t'as fait des réacteurs à fusion ou t'es toujours sur les panneaux solaires? Sur le panneau solaire, il faudrait que je fasse très attention parce qu'une fois j'ai foncé à travers une base et je me suis retrouvé à 0%. Parce que mine de rien, tu vois le truc qui faiblit très vite et qui surcharge très lentement. Qu'est-ce que t'as fait autour de moi là? Ça autour de toi. Ah non, c'est pas ça. Ah attends, non, c'est peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Regarde sur ma position. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ah, c'est qu'ils ont tenté de te ramener des trucs. Bah, je me demande. Je crois que j'ai démonté mon armure de puissance. Du coup, je voulais ouvrir Ah, la mais grille oui. et je l'ai prise. Donc, il a dû foutre ça dans mon inventaire. Il a dû Oui. décharger. Bah oui, parce que ton Tout ce armure qui de était en puissance te trop. rajoute 20 de taille d'inventaire. Ah bah oui, t'as raison, c'est pour ça. Putain la T'es pris en vache. flagrant délit d'inventaire trop. On ramasse, on ramasse. Il s'est rien passé. C'est même pas tombé en écrivant bitch, je suis sûr t'es déçu. Déception. Bon, Mais on va bon. demander à décharger des trucs. Donc déjà ça, on décharge tout. Ça, on décharge tout. Le charbon, pareil. Le bois, on va le garder au cas où on aura un besoin urgent de poteaux. Ça, on décharge. Les munitions, bah, ça peut quand même être utile. Ça, on décharge. Merde. Je suis planté. Ça aussi, je me suis planté. Hop, c'est ça que je veux décharger. Ça que je veux décharger. Le combustible solide, j'en ai un peu rien à foutre également. Si j'allais poser des petits trucs de vitesse à droite à gauche, ça serait quelque chose d'envisageable? Ouais, non, ça travaille pas parce qu'il n'y a pas de matière première, c'est pas un problème de vitesse. Ouais, c'est quand même encore compliqué le cuivre, hein. Mine de rien. Toujours un truc où ça va être compliqué.
Ouais, mais ça décharge là, ils sont même pas complètement déchargés encore. Non, 98% sur la fusée. 99. Cool. L'épisode est un petit peu long, mais peut-être qu'on va pouvoir le finir. 99%, ce sont les dernières unités de contrôle de la fusée. Allez, il Façon, en manque 3. le temps que je revienne à pied, ils seront bien produits, tu sais. Ça y est, elles arrivent, les 3 qui manquent. Hop. En préparation. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre! Ça sort! Ah putain, elle déconne pas la fusée. Ah non, on doit mettre un satellite dedans! Les salauds! Cette montée en tension. Après, on peut la lancer sans satellite, visiblement, mais. On doit mettre un fucking satellite dedans, quoi. Sérieux, il faut quoi pour faire le satellite? Je sais même pas, on a le plan pour faire le satellite. Normalement, on a la recherche, c'était un truc obligatoire. Sans processeur, sans structure, 50 carburants, sans panneau solaire, sans accumulateur. Pardon, Encore mais... j'ai eu des vapeurs. C'est tant que ça? Arrêtez-vous, vous. Stop, stop, stop. Arrêtez de bouffer du composant bleu. C'était fini. Arrêtez-vous. Sans processeur, sans structure, 50. Franchement, ça devrait aller, non? Oh oui, ça se fait, ça se fait. Mais on va pas le faire en 2 minutes là, avant la fin de Donc là... l'épisode, quoi. Mais oui, ça se fait complètement. Ouais. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. C'est pas encore cet épisode-là qu'on lancera la fusée, mais ça approche. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous avez pensé de la série dans son ensemble. Parce que je pense pas que vous puissiez nous donner beaucoup de conseils maintenant, surtout qu'on a tourné un petit peu d'avance. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et on vous dit à très vite pour la suite. Salut.